C'est quoi le problème? Alors, sur un sujet comme ça, où c'est un seul mot, il n'y a pas de question, donc il n'y a pas vraiment de problème apparent en tout cas. La façon la plus simple de se demander quel est le problème, c'est de se demander pourquoi on se pose la question, ou pourquoi on en parle. Si on en parle, c'est qu'il y a un problème. On ne parle pas de choses qui ne posent pas de problème. Choses qui ne posent pas de problème, ne posent pas de problème, donc on n'en parle pas. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que vous avez tous voté majoritairement pour ça? Et quand vous aurez répondu à la question pourquoi, vous aurez le problème. Donc pourquoi? Héloïse. Ça peut être par rapport aux homosexuels. Les homosexuels. D'accord. Donc il y a 10 homosexuels ici. Alors l'homosexualité, c'est une question très intéressante. Mais c'est à l'intérieur du problème de la sexualité. C'est à l'intérieur du problème de la sexualité. Donc, essayons de comprendre pourquoi la sexualité elle-même est un problème. Laura. Ben, pourquoi est-ce que il y a des personnes qui en ont besoin et d'autres ils n'en ont pas besoin, mais ils en ont envie. Il y en a qui en ont envie, mais pour eux, ce n'est pas un besoin. D'accord, donc tu dis qu'il y a deux genres d'humains, en fait. Ou deux genres d'animaux. Parce que. Il n'y a pas que les humains qui se reproduisent de façon sexuée. Il y a les animaux aussi. Alors, pour les animaux aussi, c'est soit une envie, soit un besoin. Alors, il y a deux sortes de, en fait, d'êtres sexués. Il y a les êtres sexués pour qui c'est un besoin, et les êtres sexués pour qui c'est juste une envie. C'est ça que tu dis? Le problème chez les animaux, par exemple. Il y a les animaux, c'est juste une envie, et d'autres, des animaux, c'est juste un besoin. Alors, je te propose de poser la question un petit peu différemment. Je te propose de se demander en quoi est-ce que ce besoin qu'est la sexualité, parce que c'est un besoin, ça appartient à la vie. Si tu supprimes la reproduction, il n'y a plus de vie. C'est ce qui caractérise un besoin. C'est-à-dire c'est une chose nécessaire à la vie pour continuer de vivre. Pourquoi ce besoin est plus ou moins pressant, ou plus ou moins impératif chez les gens? Mais je ne sais pas si c'est le problème général de la sexualité. Est-ce que c'est vraiment ça que vous dites à vie en tête quand vous avez posé? Vous avez dit, moi je veux qu'on parle de la sexualité. Est-ce que vous dites, ah oui, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont plus envie que d'autres? Je ne sais pas, c'est le problème vraiment général. C'est un des problèmes, donc c'est bien. L'homosexualité, la question, est-ce que c'est un besoin ou une envie? Jolan. Mais chez les animaux, c'est plus un besoin, ils font ça par intérêt, par pour se reproduire. Ouais. Ils font pas ça par plaisir. Ouais. En général. Ouais. Bah, c'est, vraiment, quand ils font ça, c'est pour se reproduire. Ouais. C'est nous, il n'y a que nous, les humains, qui font ça par plaisir. Ouais. Ouais. D'accord, les animaux, effectivement, en majorité, font l'acte dans un but reproductif. Alors, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, hein, il y a des singes qui font ça juste pour le plaisir. Oui. Les dauphins. Les dauphins, peut-être, oui. Ça va faire plaisir. Bah voilà, ok. Donc ça, c'est une exception. D'accord. Mais en quoi c'est un problème, Laura? Bah, si c'est un besoin, alors pourquoi il y a, si c'est le besoin de se reproduire, pourquoi il y a des moyens de contraception? Enfin, je veux dire, on s'empêche de se reproduire. Ouais. Donc c'est pas bon. Bah regarde, t'as besoin de manger. Ouais. Et pourtant tu fais des régimes. Ouais. D'accord. Bon, mais ça, tous ces problèmes-là, ils sont très intéressants, ils sont dans le problème de la sexualité. Mais ce serait quoi le problème général de la sexualité? S'il y avait un problème. Benjamin. Les maladies, non? La maladie? Ouais. Mais il y a plein de maladies. Il y a des livres gros comme ça, plein de toutes les maladies qui existent. Pourquoi? Puis la sexualité, c'est pas une maladie en soi. Alors ça peut être un vecteur de maladie, mais enfin, il y en a plein d'autres de vecteurs de maladie. Je sais pas, est-ce que c'est... Ah, il y a la maladie, effectivement. Il y a un problème. Barbara. Pourquoi on a toujours la sexualité présente dans notre esprit? Bon, bah, mais non, mais c'est vrai, je veux dire, chaque humain pense au moins une fois à la sexualité. Je veux dire, il est toujours dans notre façon de parler, quoi, on a toujours un... Mais tu sais que tout le monde est rit comme ça, ça prouve que t'as parfaitement raison. C'est exactement ça le problème. C'est qu'on en parle tout le temps. Eh oui, on pense qu'à ça. Eh oui, Gwendoline. On pense qu'à ça, il n'y a pas que toi.
tout le monde ne pense qu'à ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que penser à un truc tout le temps, why not? Mais pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Oui? Parce que c'est un peu un sujet tabou, ça. Oui, oui, c'est interdit. C'est tabou. Enfin, c'est plus qu'interdit, c'est tabou. C'est-à-dire que c'est non seulement c'est interdit, mais il faut faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, c'est ça le tabou, il faut faire comme si ça n'existait pas. Donc là, on a un vrai problème. On pense tous au même truc qui est interdit. Si on n'appelle pas ça un problème, il n'y a pas de problème dans la vie. Hein. Alexandre. Oui, ça perturbe notre point de vue, bien sûr, c'est une perturbation, oui. Bien sûr, oui. C'est partie du problème. Mais je crois qu'on a touché le centre nerveux. Hein. Donc, je vous propose de noter ça. Et au fond, tous les autres problèmes, on va les voir, ils vont naître hein, de ce problème de base. Donc, la sexualité, au fond, pourquoi c'est un problème? Parce que tout le monde y pense tout le temps. Tout le monde y pense tout le temps. Notons-le comme il est venu, parce que... La façon la plus simple de dire les choses, c'est de les dire comme elles viennent. Pourquoi c'est un problème? Parce que la sexualité, tout le monde y pense tout le temps. Tout le monde y pense tout le temps. Et c'est la chose qui est la plus interdite dans la société. C'est la chose la plus interdite dans la société. Au point qu'on parle effectivement de tabou. Tabou, c'est-à-dire, c'est pas seulement interdit, c'est même, comment dire, maudit presque. Maudit. Ça souille. Il ne faut même pas en parler. Il ne faut même pas faire. Faut faire comme ça n'existait pas. Faire comme ça n'existait pas. Ok. Monsieur, oui. C'est la société qui veut que ça soit interdit. C'est la société. Par exemple, dans un autre monde, ce serait normal. C'est la société qui veut ça. Bah, partons de là. Est-ce que c'est la société qui veut ça? Alors, si tu dis c'est la société qui veut ça, ça veut dire que c'est juste un conditionnement. D'accord. Donc par exemple, comme tu as été conditionné à pas voler, on t'a dit c'est mal de voler, donc tu as été conditionné à pas voler, et donc tu voles pas. Benjamin ? Moi je trouve que dire que c'est un sujet tabou, c'est pas vrai, parce que on en parle facilement. Là, je sais pas, moi je par exemple, on en parle facilement. Qui ? Qui en parle ? Deux, on en parle. Ah bah oui, oui, bien sûr, mais c'est privé. C'est privé. Ouais. Ah oui, c'est privé, c'est pas public. C'est interdit dans la société. Vous pouvez en parler, vous pouvez même le faire. Mais chez vous, pas dans la société. Dans la société, c'est interdit. Mais on va le voir, on va le voir. Donc, tu es conditionné à ne pas voler. D'accord. Mais ce conditionnement, on peut le renverser. C'est-à-dire, si on dit tout d'un coup, il faut voler, tu pourrais voler. En fait, on t'a conditionné à savoir ce qui est bien et mal, en fait. Mm-hmm. Puis, ben, on t'a dit que ça, c'était mal d'en parler. Oui, mais on peut renverser ce conditionnement. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu peux quand même voler, finalement. Ouais. Tu ne vas pas être mort de honte si tu voles. Tu voles, hop, tu voles, pas grave. Voilà. Tu sais que tu ne dois pas le faire, mais tu peux le faire. Alors que la sexualité, ce n'est pas exactement un conditionnement. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'en défaire. C'est la pudeur. La pudeur, ce n'est pas exactement un conditionnement. Tu peux pas t'en défaire. C'est une personnalité. C'est quelque chose que nous avons, mais qui fait qu'effectivement, c'est une partie du tabou. Le sexe est tabou, et donc une manifestation de ce tabou, c'est la pudeur. Et je ne sais pas si c'est exactement un conditionnement. Il faudrait comprendre la différence entre ce tabou et l'interdiction. C'est-à-dire le vol, c'est interdit, mais ce n'est pas tabou. C'est-à-dire que je pense que les choses interdites, on pourrait les rendre possibles, sans trop de problèmes, alors que les choses taboues, on ne peut pas. Donc les choses interdites, on pourrait les rendre possibles, donc par exemple, tu pourrais voler, ou tu pourrais roter, ou tu pourrais péter, bon, on dit hop, ça devient possible, tu le fais. Alors que tabou, c'est pas possible, même si on dit tu le fais, tu n'y arriveras pas. Donc si je te dis par exemple, tu te mets sur la table tout nu, tu te mets debout sur la table tout nu, tu ne pourras pas le faire. Même si je te dis, voilà, c'est permis, là, pendant 5 secondes, on peut le faire, fais-le, tu n'y arriveras pas.
Si ? Bah vas-y. Sérieux ? C'est un garçon. C'est vrai. On va en parler de ça aussi. Ouais, on va en parler de ça aussi. Alors, c'est vraiment très bien que tu aies fait ça. Parce que d'abord, tu es le premier. Personne n'a jamais fait ça. Ah ouais, c'est fou. Non, c'est fou ce que tu as fait. Et en même temps, tu as démontré parfaitement ce que je dis. Tu as démontré parfaitement ce que je dis, puisque tu t'es caché. Tu étais nu, mais tu n'as quand même pas montré ton sexe. Tu l'as quand même pas montré. Donc, tu as eu le culot de le faire, et je t'en remercie vraiment. Chapeau, chapeau, il faut oser. Et en même temps, tu as démontré. Donc, c'est gagnant-gagnant. Tu as gagné parce que tu l'as fait, et j'ai gagné parce que finalement, ça démontre ce que je dis. C'est-à-dire que tu es quand même, au fond, tu caches quand même l'essentiel. Bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est tabou ? Commençons par là. Pourquoi est-ce que c'est vraiment tabou ? C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Tiens. Même Jonathan, qui est quand même culotté et déculotté, même Jonathan, il n'y arrive pas. Alors, comment c'est possible? Pourquoi? Oui, Barbara. Bah, parce que c'est quand même une partie de soi qu'on met quand même en évidence, on va dire. Oui, mais par exemple, bah, je me suis une partie de moi en évidence. Ouais, mais... Bah oui, mais pourquoi? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Oui, Laura. C'est l'objet qui nous permet de se reproduire. Bah alors, regarde, ta bouche, c'est ce qui te permet de manger. C'est ce qui te permet de manger. Bon, autre chose aussi, mais... C'est ce qui te permet de manger. Est-ce que c'est tabou? Non. Pourtant, ça satisfait un besoin. Alors, pourquoi est-ce que le besoin de reproduction, c'est tabou? Marceline. Pourquoi c'est tabou? Et alors, Barbara dit, oui, mais c'est un mec. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement, une fille, c'est encore plus compliqué? Pourquoi c'est encore plus compliqué? La nudité. C'est clair. C'est beaucoup plus compliqué. Oui? Parce qu'une fille, après, elle va être mal vue. Enfin, c'est pas pareil. Une fille et un garçon, c'est pas pareil. Même par rapport au sexe, c'est un garçon qui a fait, ça va être normal. Et une fille, ben, moi. D'accord, d'accord. Mais restons à la nudité. La nudité. Un garçon qui se met tout nu, une fille qui se met tout nu, bon, un garçon qui se met tout nu, une fille qui se met tout nu. Bon. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour une fille? Les filles du fond. Alexandre? Ben, c'est bon, c'est les garçons qui répondent. C'est bizarre. Une fille, c'est plus pudique. Eh oui, pourquoi? Oui, ben oui. Pourquoi, Benjamin? Parce que c'est toute moche et grosse. Oh non. Elle se trouve toute moche et grosse. Alexandre. Elles sont pourries par la mode. Elles sont pourries par la mode. Vous avez une drôle représentation de la femme. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, Laura. Non, c'est parce qu'à la base, c'est les hommes qui ont toujours dominé la femme. Mm-hmm. Donc nous, si on se met toutes nues devant des garçons... Mmh. Ça va pas. Ah oui, ça va pas. Ça va pas. Alors pourquoi ça va pas? Pourquoi il y a quelque chose qui est absolument atroce? Dans la logique des origines, tout ça. Ouais. Non, tu parles de domination, c'est bien. Tu parles de domination, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'un homme se met plus facilement à nu devant une femme que l'inverse? Là, il y a une question de domination. Pourquoi les hommes, ils sont plus forts que les femmes? Ils sont plus forts, plus grands, plus baraqués, plus costauds, pourquoi? Il y a une dissymétrie entre les femmes et les hommes, bien sûr. Enfin, entre les femelles et les mâles, parce que c'est vrai pour tous les mammifères. C'est-à-dire quoi, mammifère? Qui allait. Audrey? Ben, c'est qui allait. Ouais. Ça s'est sorti tout seul, hein. On sent l'instinct maternel. Qui allaite, ouais, qui porte la mamelle, hein, féro, porté et mammifère, mamelle. Bah, ils portent la mamelle. Ils allaitent. Donc ils portent l'enfant, en fait. Et ce qui veut dire que si vous mettez un mâle avec 100 femelles, ça fait combien de bébés?
100. Et si vous mettez une femelle avec 100 mâles, ça fait combien de bébés? 1. Voilà. Vous avez l'explication. C'est que les mâles ont intérêt biologique à répéter les relations, à multiplier les partenaires. Parce que plus le mâle a de partenaires, plus il y a de chances pour qu'il y ait une reproduction. Alors que la femelle, elle n'a pas intérêt biologique à multiplier les partenaires. La femelle, elle a un ou deux partenaires, ou trois partenaires, ça suffit, elle va avoir un petit. Donc, les mâles multiplient les conquêtes, multiplient les rapports, multiplient les partenaires, alors que les femelles, non. Mais comme les mâles multiplient les partenaires, il y a autant de mâles que de femelles, à peu près. Donc il y a forcément une lutte entre les mâles pour l'accès aux femelles. Parce que si vous avez un mâle et une femelle, ça va très bien, il y en a pour tout le monde. Mais si un mâle veut 10 femelles, et que tous les mâles veulent 10 femelles, comme il y a autant de mâles que de femelles, forcément, c'est le plus fort qui va gagner. D'accord? Donc ils vont se battre. Et s'ils se battent, ils font de la boxe tous les jours, donc forcément, à un moment, ils sont plus forts. On remarque chez tous les mammifères que les mâles sont plus forts que les femelles. Pourquoi? Parce que les mâles se battent pour l'accès aux femelles. Et du coup, évidemment, une femelle qui est nue, elle est beaucoup plus vulnérable, parce que le mâle, il va s'emparer, hein, sans réfléchir, de façon bestiale, de la femelle. Alors que l'inverse n'est pas vrai. D'où aussi la réponse avec le besoin, l'envie. Alors pourquoi est-ce que pour les mâles, c'est plus un besoin, et pour les femelles, plus une envie? Parce que ce rapport toujours dissymétrique, hein, c'est que le mâle a intérêt biologique à multiplier les relations, pas la femelle, ou moins. D'accord? Donc, partons de là et on va pouvoir répondre à notre question du tabou. D'accord? Donc, en même temps, ce serait bien de construire un problème plutôt que de prendre des notes au fil de l'eau. Il faudrait essayer de construire tout ça. On va partir du tabou, parce que c'est la question première qu'on a posée. Pourquoi le sexe est-il tabou? Pourquoi le sexe est-il tabou? Le sexe est tabou parce que... c'est le seul besoin qui instrumentalise l'autre. C'est le seul besoin qui instrumentalise l'autre. On a 4 besoins. Boire, manger, dormir, se reproduire. Eh bien, boire, manger, dormir, vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne. Donc boire, manger, dormir, c'est pas tabou, parce que vous pouvez faire ça tout seul, il n'y a aucun problème. Alors que se reproduire, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Et vous êtes vis-à-vis de cet autre dans un rapport d'instrumentalisation. Vous instrumentalisez l'autre. Un peu comme vous mangez la salade, vous instrumentalisez la salade. Vous mangez un steak, vous instrumentalisez le steak. D'ailleurs, vous le détruisez. Dans la reproduction, on instrumentalise l'autre, le corps de l'autre. Ça devient un objet. Ça devient un objet. Or, le fondement de la société, c'est de ne pas se traiter comme des objets les uns les autres. C'est le fondement. Ne pas se traiter en objet les uns les autres. Le fondement de la société, c'est se respecter les uns les autres. Le fondement de la société, c'est nous sommes des personnes. Nous sommes des personnes libres, indépendantes, réfléchies, d'égale valeur. Donc vous ne pouvez pas instrumentaliser les individus. Vous ne pouvez pas les objectiver, vous ne pouvez pas les traiter comme des objets. Vous ne pouvez pas les traiter comme des animaux. Si vous traitez les autres comme des animaux, vous mettez fin à la société, au fondement même de la société. Si vous voulez, pour simplifier, vous avez d'un côté la société qui est fondée sur le respect, soyons simples, hein, un peu caricaturaux. La société, c'est le respect. Le sexe, c'est l'objectivation. C'est le contraire du respect. D'accord? Respect social d'un côté, objectivation ou instrumentalisation animal de l'autre. Autrement dit, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc, dans la société, si on veut être dans la société, il faut que l'autre disparaisse. Purement et simplement. Il faut que ça disparaisse. Sinon, le ver est dans le fruit, si vous voulez. À partir du moment où ça ne fait que apparaître, ça détruit le fondement de la société. À partir du moment où le sexe apparaît, c'est comme s'il était permis, c'est comme si c'était possible de traiter l'autre comme un objet. Et le fait même que ça soit possible, euh,
Le fait même que l'autre puisse être un objet détruit le fondement de la société, qui est le respect inconditionnel de l'autre. Le respect inconditionnel de l'autre. Il faudrait aller plus loin, il faudrait creuser un petit peu, montrer les fondements moraux, etc. Mais si vous voulez, la société étant fondée sur un respect inconditionnel, le sexe comme précisément la possibilité de l'objectivation, la possibilité, fait disparaître cette inconditionnalité du respect qui est au fondement de la société. Donc, si je veux résumer, ça donnerait ça. La possibilité même de l'objectivation du sexe abolit l'inconditionnalité du respect exigé par la société. Vous savez bien, une société, ça veut dire que vous respectez même les gens que vous ne connaissez pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, sinon, ce n'est pas une société, c'est une famille. Si vous respectez que les gens que vous connaissez, vous n'êtes pas dans une société, vous êtes dans une famille. Une famille plus ou moins grande, avec des cousins, des grands-cousins, des cousins très éloignés. C'est les gens que vous connaissez. Ce n'est pas ça. La société, c'est être avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est être dans un rapport de respect avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est les respecter inconditionnellement. On ne les connaît pas, on sait absolument pas. Mais on les respecte d'office. C'est ça l'idée, la société respect inconditionnel et la possibilité même du sexe, le fait même que ça existe ou ça puisse exister, ça soit présent, ça abolit ce respect-là. Du coup, ça doit être absent. Alors, ok, on a compris pourquoi c'était tabou. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi on pense qu'à ça. On a dit, le problème, c'est que c'est tabou et on pense qu'à ça. Il y a un problème. On a expliqué pourquoi c'était tabou, Jolan. Grâce à toi, grâce à ta brillante, ta brillante, pas seulement une démonstration, ton acte de courage. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pense qu'à ça? Barbara. Ah, c'est dans nos hormones. Ouais. C'est l'idée de Freud. C'est l'idée de Freud. Donc c'est un philosophe allemand du XXe siècle, début du XXe siècle. Et là, on peut mettre un mot, parce que Freud, c'est un très très grand penseur, et qui a pensé le sexe au centre de la vie psychique. Au centre. Pour Freud, le sexe, c'est le centre de notre être, de tout notre être. Et aussi de notre esprit, par conséquent. Soit que notre esprit soit la moitié de notre être, soit même que notre esprit soit tout notre être. C'est-à-dire qu'il englobe aussi le corps. Pour Freud, le sexe, c'est le centre. Pourquoi c'est le centre? Freud, c'est un médecin, quelqu'un qui a étudié la biologie, qui connaît le corps. Freud dit, et il n'a pas tort, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, que le besoin de reproduction, c'est le besoin le plus puissant de tous. Le besoin de reproduction, c'est le besoin le plus puissant de tous. Il est même plus puissant que le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de boire. Il est plus puissant. Oui ? Pourtant, il existe des personnes, qui n'ont jamais de rapport à un âge avancé, quoi. Oui, absolument, absolument. Alors, problème, il y a un paradoxe, qui est que le besoin sexuel, c'est à la fois le moins nécessaire et le plus nécessaire. Bah, du sens que c'est le plus nécessaire, c'est plutôt celui qu'on pense le plus. Quoi. Ouais. Mais pourquoi on y pense le plus? Freud dit, parce que c'est le plus nécessaire. Alors pourquoi c'est le plus nécessaire? C'est le plus nécessaire pour la vie. C'est le plus nécessaire pour la vie. Ou pour l'espèce, si tu préfères. L'espèce, elle se moque que tu boives, que tu dormes, que tu manges, Jolan. Elle s'en moque. À partir du moment où tu t'es reproduit. Si tu te reproduis, tu nous as fait 15, 20 petits Jolan, tu peux mourir, tu peux ne pas manger, ne pas dormir, on s'en fiche, il y en a 20. Tu en as fait 20, c'est bon, pas de problème. Donc finalement, ta survie personnelle, la vie s'en fiche, l'espace s'en fiche que tu survives. D'ailleurs, on meurt tous, on meurt par accident, on meurt par la maladie, on meurt, il y a des bébés qui meurent. Enfin, l'espèce s'en fiche des gens qui meurent. Mais il faut qu'il y ait la reproduction, que ça se produise. Et donc, c'est absolument fondamental pour l'espèce. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a certains êtres qui meurent durant la reproduction. Qui meurent durant la reproduction. Par exemple, on célèbre la mante religieuse, qui mange son partenaire pendant l'accouplement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la vie dit, l'individu meurt pendant qu'il se reproduit, mais peu importe, parce que l'individu ne sert finalement qu'à se reproduire. Au fond, on ne sert qu'à se transmettre les gènes. On n'est que des transmetteurs de gènes. Nous, en nous-mêmes, on n'a aucune importance. Pourvu qu'on transmette les gènes.
Donc notre but absolu, c'est de se reproduire. C'est notre mission principale. Le reste, c'est uniquement pour nous aider à remplir notre mission. Hein, par exemple, le fait d'être beau, hein, ça nous aide à remplir notre mission. Le fait d'être à la mode, le fait d'avoir un petit cul, hein, de faire un régime, hop, ça nous aide à remplir notre mission principale. Aller à l'école, ça nous aide à remplir notre mission principale, parce que si vous êtes sous un pont, vous êtes un raté, vous allez moins avoir de chances de vous reproduire. Tout, au fond, vise le sexe. Alors, je termine. C'est, le sexe, c'est ce qui est le plus important pour la vie, et en un sens, c'est ce qui est le moins important pour l'individu. C'est-à-dire qu'effectivement, l'individu doit boire, manger, dormir, et peut se passer de se reproduire. Il ne peut pas se passer de boire, manger, dormir. Si vous ne dormez pas pendant 4 jours, 5 jours, vous êtes mort. Si vous ne buvez pas pendant une semaine, vous êtes mort. Vous pouvez ne pas vous en reproduire, vous vivez très bien. D'où le paradoxe. Le sexe, c'est ce qui est absolument nécessaire à la vie, c'est la mission principale des individus. Mais du point de vue de l'individu, c'est le besoin apparemment le moins nécessaire. Et ce paradoxe apparaît dans la conséquence sensitive du besoin. Qu'est-ce que j'entends par là? Les besoins provoquent de la souffrance quand ils ne sont pas satisfaits et du plaisir quand ils le sont. C'est la carotte et le bâton. Quand vous avez faim, vous souffrez. Hop, vous mangez, vous avez du plaisir. Les besoins sont comme ça. Vous avez soif, vous souffrez, vous buvez, vous avez du plaisir. Vous êtes fatigué, vous souffrez, vous dormez, vous avez du plaisir. C'est ça. Souffrance, plaisir. La souffrance, vous avez un manque et la souffrance vous botte le cul pour que vous satisfassiez le besoin et récompense au besoin satisfait, plaisir. Eh bien, le besoin sexuel, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Quand vous avez faim, vous souffrez. Quand vous avez soif, vous souffrez. Quand vous êtes fatigué, vous souffrez. Mais quand vous ne vous reproduisez pas, vous ne souffrez pas. Il n'y a pas de souffrance. En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plaisir sexuel? Bonoline. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plaisir sexuel qui est évident, qui saute aux yeux? Laura. On peut devenir dépendant. Ouais, pourquoi? Comme tout. Ah, comme tout, donc c'est pas propre au plaisir sexuel alors. Qu'est-ce qui est propre au plaisir sexuel? Qui crève les yeux. Par rapport aux autres plaisirs. Non, il est comme tous les plaisirs. C'est un des plaisirs de la vie, parmi d'autres. Pareil. Non? Là, ça nous atteint nous-mêmes. Ça nous atteint nous-mêmes, mais quand tu manges aussi, tu manges, ça t'atteint toi-même aussi, ça te fait plaisir. Mais c'est quoi la grande différence entre le plaisir de manger et le plaisir de se reproduire? C'est une grande différence, hein? Non? Pareil? Tu ferais également l'un et l'autre? Si d'un côté, tu as une bonne assiette de brocoli et de l'autre côté, un lit avec Brad Pitt dedans, tu vas où? Bah, donc, ça te dit quoi? C'est quoi la différence entre les deux plaisirs? Pourquoi tu vas là? C'est plus tentant. Parce qu'il y a plus de plaisir. Voilà. Donc, c'est quoi la différence? C'est que le plaisir sexuel, il est immense. Il est énorme. Par rapport aux autres. Tu manges des brocolis, t'as un plaisir, mais enfin, c'est pas ça qui justifie ta vie, quoi. Alors que tu niques, c'est génial. Ça justifie ta vie, quoi. Bon. Donc ça montre, ça, on voit le paradoxe. Le paradoxe, le sexe n'est pas vraiment nécessaire à l'individu, donc quand il en manque, il n'en souffre pas. Mais c'est le plus important pour l'espèce. Et donc, le plaisir, c'est le plus grand. Il est incomparable avec tous les autres. Le plaisir sexuel, il est incomparable avec tous les autres plaisirs. Il crève le plafond. Donc, cette différence sensitive, elle illustre le paradoxe. C'est le moins nécessaire pour l'individu. Il ne souffre pas quand il en manque. Mais c'est le plus nécessaire pour l'espèce. C'est celui qui a la récompense la plus forte. Et donc, Freud, tout ça pour revenir à Freud. Freud dit, le sexe, c'est notre mission principale. Tout est relié au sexe. Et donc, on ne pense qu'à ça parce que c'est notre seule mission. Et donc, effectivement, qui disait tout à l'heure, c'est les hormones. Toi, Barbara, pourquoi on pense à ça? C'est les hormones. Et bien, Freud dit, et bien sûr, c'est les hormones.
C'est des hormones. On pense qu'à ça parce qu'on on doit le faire. Il faut le faire. Voilà, mission principale. Jolin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais. C'est ce que dit Freud en tout cas. Bah, et donc, ouais. Ouais, il y a certains sens, mais comment dire, c'est pas un besoin fondamental. Enfin, moi personnellement, je pense que c'est un peu ça. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que tu peux faire sans pendant plusieurs années et que bon, quand ça vient, ça vient. Et puis, ouais, on a vu ça. On a vu ça, que c'était pas absolument nécessaire à l'individu. Maintenant, Johan, je te parle. C'est pas absolument nécessaire à l'individu, mais c'est sa mission principale. Et donc, c'est ce vers quoi il est tendu principalement. Alors, il peut le refuser. Il peut dire non, je veux pas. Mais il peut pas le faire disparaître. Et c'est exactement ce que dit Freud. Freud dit, les gens qui refusent, ils deviennent fous. Freud a inventé la psychanalyse. C'est quoi la psychanalyse? La psychanalyse, elle repose sur le fait que à 5 ans, tout humain à 5 ans se rend compte que le sexe est tabou. Enfin, en tout cas, ses parents lui disent c'est terminé maintenant. Et à 5 ans, blam, il refoule ses pulsions sexuelles. Il les refoule. Il les met, Camélia, dans son inconscient, ce que Freud appelle son inconscient, c'est-à-dire une boîte fermée à double tour, mais tellement fermée que même on oublie qu'elle existe. Donc toi, tu as un inconscient avec toutes tes pulsions sexuelles, mais tu ne le sais même pas. C'est inconscient, totalement inconscient. C'est inconscient au point que tu n'en es pas conscient que tu as un inconscient. Tu crois que ça n'existe pas. Tu penses que tout toi, c'est dans ta conscience. Freud dit non. Ce que tu es vraiment, c'est dans ton inconscient. C'est des pulsions. Et Freud dit, ces pulsions sexuelles, elles ont été refoulées dans l'esprit. Elles peuvent réapparaître. Et au fond, le rôle de la conscience, ça va être de contrôler ces apparitions pour qu'elles soient, entre guillemets, normales. C'est-à-dire qu'elles obéissent aux lois sociales. Donc par exemple, tu es hétérosexuel, tu vas te marier, tu vas être vierge jusqu'au mariage. Tu vas avoir des enfants, tu vas faire ça chez toi, proprement. Tu vas pas faire des trucs bizarres, sadomaso, tout. Bon. Tu vas être quelqu'un de, entre guillemets, normal, dit Freud. Mais c'est super dur. C'est super dur. Donc, il y a peu de gens qui arrivent. Il y a peu de gens qui arrivent, et donc, il y a beaucoup de gens qui sont complètement malheureux. Par exemple, frigides, déprimés, violeurs, sadomaso, pervers, exhibos. T'as plein de gens qui, ils arrivent pas. Ils arrivent pas à trouver un équilibre avec ces pulsions qui sont refoulées et les lois sociales. Et c'est pour ça qu'il y a la psychanalyse, pour soigner tous les gens qui n'y arrivent pas. Tous les gens qui ont un problème avec cette mission-là. Mission qui est à la fois la mission principale et en même temps le truc absolument interdit. Au fond, on est tous des agents secrets. C'est-à-dire qu'on a tous une mission secrète qui est de niquer, de faire comme si, en fait, ça ne nous intéressait pas du tout. Et donc, tout le monde n'est pas James Bond, tu vois. Tout le monde n'y arrive pas. D'où la psychanalyse, d'où le moment où tu vas t'allonger sur un divan en disant « Ah, oh, ma mère, mon père, ah, j'ai envie de manger ma merde » ou je sais pas quoi. Et donc tu vas, voilà, c'est ça la psychanalyse. C'est essayer de dire qu'est-ce qui fonctionne pas pour, dit Freud, rendre conscient ce qui était inconscient avant. Donc des pulsions sexuelles que tu as tellement refoulées qu'elles existent toujours, mais elles pèsent sur toi, elles te rendent malheureux, elles te font faire n'importe quoi. Et donc la psychanalyse va consister à essayer de les rendre conscientes par la parole. Une fois que tu en as conscience, alors tu peux plus faire avec. Le symptôme disparaît, c'est ce que dit Freud. Une fois que la chose inconsciente devient consciente, le symptôme disparaît, la maladie disparaît. Oui. Il y a des prêtres qui sont malades. Ben ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils s'en prennent aux enfants. Alors. Mais pas tous. Non, bien sûr, pas tous. Je caricature. Je caricature, mais pour Freud, évidemment, les prêtres sont des gens qui sont malades. Enfin, les prêtres catholiques, parce qu'il n'y a que les catholiques qui font ça. Je veux dire, il y a plein de prêtres orthodoxes, protestants, qui ont le droit d'avoir une sexualité. Si vous. Benjamin, tu attends pour poser ta question. Pour Freud, c'est pervers de priver les gens par l'institution de rapports sexuels. C'est complètement fou. Donc on met les gens dans une situation impossible. C'est pas les prêtres, c'est l'Église catholique. Si l'Église catholique disait, si le pape disait c'est vrai, maintenant c'est trop dur, on va permettre le mariage des prêtres, les prêtres vont se marier. Ou ils vont devenir homo, je sais pas. Enfin, ils vont révéler leur sexualité. Ils ont une sexualité. Donc c'est normal que refoulant et faisant comme ça n'existe pas, il y a des mecs qui pètent un câble. Et s'ils pètent pas un câble, bon... Alors c'est un problème philosophique. Freud dit ça. Maintenant on peut dire, non, il y a un vrai... Les catholiques te diront qu'il y a un vrai but à se priver du sexe. C'est précisément comme c'est le besoin fondamental de l'individu, le plaisir fondamental.
si on veut vraiment aider l'autre, il faut vraiment renoncer à soi. Il faut vraiment renoncer à soi. Et donc, il faut renoncer au plus important à soi. Et finalement, les prêtres ou les catholiques seraient d'accord de dire le sexe, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il faut y renoncer. Pour être en rapport avec Dieu ou en rapport avec l'absolu, je sais pas quoi. Bon. Et c'est présent, bien sûr, dans d'autres religions aussi. Dans l'hindouisme, par exemple, le sexe a un rôle particulier, à la fois d'expression de quelque chose, mais éventuellement la frustration aussi peut exprimer quelque chose. Hein. Donc, il faut voir les différents points de vue. En tout cas, pour Freud, très clairement, le but d'un individu, c'est le sexe. Et le but d'une cure ou le but d'un individu social, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre ces pulsions animales, bestiales, qui sont ingérables, et les lois sociales. Trouver un équilibre entre les deux. C'est ça, être en bonne santé psychique. Et pas être un tordu, un pervers, une frigide, ou que sais-je. Oui. Pourquoi si c'est vraiment un aussi grand plaisir, alors pourquoi nos parents, ils nous en empêchent? Pourquoi? Ben parce qu'il y a des conséquences nocives. Il y a des conséquences nocives. Il y a les maladies. Il y a les bébés qu'on veut pas. Bon. Enfin, ils en empêchent. Ils en empêchent. A priori, on est dans une société progressiste, tolérante. A priori, ce que doivent faire tes parents, ce que font la plupart des parents, c'est de effectivement contrôler et que ça se passe pas trop tôt, mais accompagner et que ça se passe dans les meilleures conditions. J'espère que tu n'as pas une ceinture de chasteté et un père qui te fouette dès que tu parles d'un garçon. Non. Bon, voilà. Après tu comprends bien que ça peut des conséquences très importantes. Voilà, donc il faut faire attention, ça ne se prend pas à la légère. Mais bon, finalement, un peu comme tu fais de la moto. Peut-être que tes parents, ils vont te dire non, tu ne fais pas de la moto. Parce qu'ils savent que si tu fais de la moto, tu as de très très grandes chances de finir sur une chaise roulante. Bon, ben, c'est pareil. Je sais que c'est pareil. Il y a des risques. Comme la moto. D'accord. On parlait de Freud. Pourquoi on y pense tout le temps? Donc on a compris pourquoi c'était tabou, et on a compris pourquoi on y pensait tout le temps. D'accord. Donc on a compris pourquoi on se posait la question. On a compris le problème central. D'ailleurs, on parlait de l'homosexualité. Vous parliez de l'homosexualité tout à l'heure. L'homosexualité, on peut conclure là-dessus. Pour Freud, par exemple, c'est une perversion. Pour Freud, c'est une perversion. C'est-à-dire pour Freud, c'est une pulsion sexuelle refoulée qui a mal été gérée, qui a mal été acceptée. Et donc, hop, il y a eu une inversion. Donc pour Freud, l'homosexualité, pour Freud, hein, donc aujourd'hui les gens disent, attendez, Freud c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui est lui-même un peu maniaque. Pour Freud, l'homosexualité, c'est une perversion. Qui découle, qui est la conséquence d'un mauvais refoulement, d'un mauvais équilibre psychique. Il y a une inversion. Bon. Aujourd'hui, on pense que l'homosexualité, c'est pas du tout une perversion. On pense que l'homosexualité, c'est pas du tout une perversion, c'est une façon de vivre sa sexualité. Et donc, on pourrait développer le problème de l'homosexualité, parce que se mêle dans le problème de l'homosexualité le problème de la normalité. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce que ça veut dire être normal, hein? Oui, Joanne. Trouver un équilibre. Oui, trouver un équilibre. Mais tu as des homosexuels qui trouvent un équilibre. Tu as des fous qui trouvent un équilibre. Ben pourquoi pas? Non, il n'y a pas d'équilibre psychique. Mais pourquoi pas? Il y a des homosexuels qui s'aiment, qui font des couples pendant 30 ans, 40 ans, toute leur vie, exactement comme les gens hétérosexuels, et qui aimeraient pouvoir adopter, c'est-à-dire faire des familles. Bon. C'est contre la nature aussi. Ben contre la nature, mais la société, Johan, est contre la nature. C'est contre la nature le cours de philo. Moi, j'ai jamais vu des fourmis ou des abeilles qui faisaient un cours de philo. La société contre la nature, c'est bien ça le problème. C'est que la société tout entière est contre la nature. C'est pour ça que le sexe est tabou, parce que le sexe, c'est le symbole même de la nature et de la pulsion naturelle qui empêche la société, qui ferait que la société serait un chaos, serait une anarchie. La société, c'est une négation de la nature. Si on était dans la nature, on ferait tous n'importe quoi. Jamais on serait assez discipliné pour rester en cours de philo. Donc dire que la sexualité, c'est contre la nature,
la société, c'est contre la nature. À une certaine époque, on disait, coucher avant le mariage, c'est atroce, c'est horrible, tu mérites l'enfer. C'est pas contre la nature de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 10 ans, après le moment où tu peux commencer à en avoir. Parce que c'est ça. Donc il y a plein de choses qui sont contre la nature.